Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, merci. Alors, juste avant de commencer, je voudrais... Petite confidence. Moi, j'ai pas toujours voulu être humoriste. Merci. Non, c'est vrai. À la base, moi, je voulais être avocat. Finalement, j'ai misé sur la crédibilité. Parce que je comprends pas comment des gens peuvent avoir envie de devenir avocat en Belgique. Je dirais que la Belgique, c'est un petit pays connu mondialement pour son surréalisme, son absurdité. Et il s'avère que les lois belges sont à l'image du pays. Dire en Belgique, c'est plus simple de défendre une blague que de défendre une loi. Pour la simple et bonne raison que nos lois, ce sont des blagues. À prendre au premier degré. Je vous donne un exemple. C'est moi dans la vie, je fume des joints, hein, je fume pas la clope, je trouve ça con. Tant qu'à se niquer les poumons, autant que ce soit drôle. Donc je fume, et quand j'ai commencé à fumer des joints, à un moment je me suis dit, tiens, en Belgique, est-ce qu'on peut? On sait pas. On a une loi sur le cannabis, c'est plus une loi, c'est un sketch. Tu dis, putain, ils avaient fumé avant de voter cette loi. C'est la loi sur le cannabis en Belgique, relativement simple. Tu ne peux pas consommer ni posséder de cannabis, mais tu peux détenir. Trois grammes, ou l'équivalent d'une plante, dans le cadre d'un usage personnel. On est d'accord, c'est tout et son contraire, cette loi. Je veux dire, c'est Jean-Claude Van Damme qui l'a fait passer. Tu peux pas, mais si c'est pour toi, tu peux, ok? Je veux dire, vraiment, analysons ensemble cette loi. Tu ne peux pas consommer ni posséder, mais tu peux détenir. À aucun moment, quand ils ont voté cette loi, un gars a dit... Dites, excusez-moi, je pense qu'on a un léger problème de... On s'en fout, d'accord, on s'en fout. En Belgique, on est tellement con, c'est passé crème. Attention, parce que tu peux détenir 3 grammes ou l'équivalent d'une plante. 3 grammes ou l'équivalent... Hé hey. Je veux dire, quand tu récoltes ta plante, t'obtiens que 3 grammes, et laisse tomber la botanique, t'es une insulte à la profession, hein. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, parce qu'en Belgique, on a un truc formidable qui s'appelle les sanctions administratives communales. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de règlement qui varie d'une commune à l'autre. Donc ce ne sont pas des lois propres au pays, ce sont des lois propres à la ville où ils les ont votées. Et apparemment, ce sont des lois qui se sont fait voter le lendemain de la fête de la bière. Tu sens que les gens étaient motivés. Tu vois, par exemple, à Lokeren, ils ont voté qu'il était interdit de faire des batailles de boules de neige. Voilà, pour ceux qui ne situent pas, Lokeren, ça se trouve à un bon 18 mètres d'altitude. Il n'y a pas de neige. Jamais. Je veux dire, interdire les batailles de boules de neige à Lokeren, c'est comme interdire les batailles de bouffe en Somalie. T'as, youhou, on se réveille, les gars. Quand t'entends une loi pareille, tu dis, oh là, les Belges, ils ont mis la barre de l'absurdité à un niveau. En Belgique, quand on peut se surpasser dans la connerie, il y en a toujours un pour dire « Mon élard !» Ce qui fait qu'à Leuven, ils ont voté qu'un musicien de rue peut se prendre un PV s'il fait des fausses notes. Tu sais, moi, dans la vie, je fais de la trompette, tu me fais jouer à Leuven, je te rembourse la dette de la ville en 2 jours. Et quand j'ai découvert toutes ces lois, à un moment, je me suis dit « C'est pas possible !» C'est pas... Y a pas qu'en Belgique qu'on vote des trucs aussi cons. Eh ben non! Ah ouais, y a nos voisins, les Français. Rendez la coupe. Bref, le... Une loi. Une seule loi en France, je sais pas s'il y a des Français, je m'en fous, mais une seule loi. Je l'ai découverte il y a pas longtemps, quand je l'ai découverte, j'étais là, oh mon Dieu. Oh. Cette loi, c'est la loi qui concerne l'alcool sur son lieu de travail. Ils ont voté ça en 2011, c'est un bijou. En 2011, en France, ils ont voté qu'il était interdit de boire de l'alcool sur son lieu de travail, sauf... Si c'est du vin, du cidre ou de la bière, vive la France!
Et là aussi, quand j'ai découvert cette loi, maman, je me suis dit, attends, c'est pas possible. Il n'y a pas qu'en Belgique et en France qu'on vote des trucs aussi cons. Ah ben non! On s'est fait coiffer au poteau par un pays qui a mis la justice à un stade plus haut. C'est plus de la justice, c'est de l'art, c'est de la poésie. Et ce pays, c'est le Canada. Oui, on s'attend pas à eux, mais c'est eux. Au Canada, dans la région de l'Alberta, ils ont voté qu'il était interdit de mettre le feu à une personne si... Ils ont mis une condition! C'est du génie! Il est interdit de mettre le feu à une personne si et seulement si elle a une jambe de bois. Donc, au Canada, ils se sont dit, les autres, ça va. Mais s'il a une jambe de bois, bah, c'est pas fun, ça brûle trop vite. Ce qui fait que forcément, j'ai misé sur la crédibilité, je préfère faire de l'humour. Pour le moment, je n'ai pas encore fait une seule blague, hein, je n'ai fait que des lois. Donc maintenant, je vais faire des blagues, je vais parler de moi, parce que c'est ce qu'on fait en humour, on parle de soi. Et là, j'ai une super histoire, je viens d'emménager avec mon amoureuse, ça se passe bien, je suis très content. Puis en plus, c'est un moment unique dans la vie d'emménager avec son amoureuse, donc j'espère que ça va bien se passer, parce que c'est quand même la troisième fois que je vis ce moment unique. Il y a juste un détail, léger détail qui m'oppresse. Elle a remis au goût du jour une conversation qui n'a pas lieu d'être. Elle voudrait un enfant. Donc moi, je lui ai dit non, j'aime ma vie. Et ça ne l'a pas convaincue, donc j'ai dû argumenter. Je fais non, moi, je veux pas d'enfant. Pour moi, un mioche, c'est comme une femme, quoi. Ça pleure tout le temps, ça râle pour rien, ça veut jamais baiser. Oh, ça va, on est entre belges, on est au courant. Hein. Donc... Non, vraiment, je veux pas d'enfant. Il n'y a pas longtemps, moi, j'ai été faire du babysitting chez ma sœur pour garder ma nièce de 4 ans. Ça m'a conforté dans l'idée de ne pas avoir envie d'enfant. Parce que le problème d'un enfant de 4 ans, c'est que ça n'a aucune notion de diplomatie. Et sous prétexte que c'est un petit être sans défense, il a le droit de te dire ce qu'il veut. Et toi, tu peux pas lui répondre normalement. Moi, quand j'ai été faire du babysitting, ma nièce m'a accueillie toute petite, toute mignonne, avec un grand sourire. Et de cette bouche innocente est juste sortie, on t'aime pas. Mais toi, tu peux pas lui répondre normalement, mais je t'encule, vieille pute. Je te défonce la gueule, moi. Non, c'est un enfant de 4 ans, t'es obligé de t'extasier. T'es là, le problème, c'est que je suis rancunier. Et un enfant de 4 ans, ça a la mémoire d'un poisson rouge. Ce qui fait qu'elle oublie tout de suite. Une demi-heure plus tard, elle vient me voir, elle fait « Tu veux jouer avec moi ?» Donc moi directement « Non, un partout, motherfucker !» Sauf que tu n'as pas le droit de dire non à un enfant qui a envie de jouer, sinon directement il se met à chialer. Donc je fais « Oui, on va jouer ensemble. » Donc on a fait un atelier bricolage. Enfin, je lui ai appris à rouler des joints. Ben voilà, j'ai une nièce de 4 ans qui m'aime pas, mais qui s'est effritée d'abeu. Qu'est-ce que je te dis? Ça a sa petite utilité, quoi. Et donc voilà, on fume. Mais bon, j'avoue, pour être tout à fait honnête avec vous, j'extrapole. En fait, depuis peu, j'ai changé d'avis. Voilà, j'aimerais bien un enfant, mais... pour une seule unique raison. Calmer la libido de ma meuf. Je n'en peux plus. Je te jure, elle veut tout le temps, partout. Je suis le seul mec sur Terre qui aimerait pouvoir dire « Ah, pas cette semaine, j'ai mes règles. » Je n'en peux plus. Ma bite a des cloches. Je n'arrive plus à la toucher, vraiment. Franchement, ma tub, elle s'est transformée en escargot. Elle ne sort que pour pisser. Pipi, hein. Pas plus. Mais je ne sais pas comment calmer la libido de ma meuf. Anecdote. L'autre jour, on a été à un enterrement. Oui, pas l'endroit le plus excitant de la planète, mais bon. En même temps, le curé était polonais, à un moment, on comprenait rien, donc tu t'occupes, quoi. Et pendant la cérémonie, ma copine commence à me caresser l'entrejambe. Donc moi, réaction normale, je fais « Qu'est-ce que tu fais ?» Alors qu'on va pas se mentir, hein, c'était évident ce qu'elle faisait, mais dans le doute. Et là, elle m'a juste susurré à l'oreille « T'as déjà eu une fellation dans une église ?» Et ça sort tout seul, je fais « Je me rappelle pas, j'étais trop petit. » Mesdames, messieurs, il y avait avec nous ce soir, Pierre.